Les Alsaciens sont appelés à se prononcer sur l'avenir institutionnel de l'Alsace. Une grande consultation populaire via Internet a été lancée aujourd'hui par Brigitte Klinkert et Frédéric Bierry, les présidents des deux départements. Ils proposent la création d'une collectivité unique d'Alsace à statut particulier. Une opportunité à saisir pour les élus dans un contexte favorable, puisque le Premier ministre a chargé le préfet de la région d'un rapport sur l'évolution de l'Alsace. Reportage Nadine Lee et Nicolas Meyer. C'est un pas de plus vers une Alsace unie. Brigitte Klinkert et Frédéric Bierry côte à côte pour annoncer leur volonté de fusionner le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Objectif, créer une collectivité unique d'Alsace. 5 ans après le fiasco du référendum, les Alsaciens sont à nouveau invités à se prononcer sur la question. Cette fois, pas de bulletin, mais un site internet pour livrer son avis et ses propositions. 1 million de formulaires papier seront également distribués. Certes, la consultation n'aura pas de valeur juridique, mais elle pourra peser sur les négociations en cours avec l'État et la Grande Région. On est à un moment décisif où il y a une écoute du gouvernement. C'est donc une occasion unique pour les Alsaciens de livrer leur expression. Parce que le projet que nous déposerons au préfet et au Premier ministre avec Brigitte Klinkert, ce sera un projet qui sera enrichi justement des réflexions. Et plus les Alsaciens seront nombreux à s'exprimer, plus nous aurons de poids pour porter cette démarche d'évolution à l'échelle nationale. L'État a fixé des limites, pas question de sortir du Grand Est. Pour autant, les élus alsaciens revendiquent une collectivité forte avec des compétences élargies. L'économie, le tourisme, la coopération transfrontalière ou encore le bilinguisme. Mais il faudra aussi convaincre le président du Grand Est. Tout alsacien qu'il est, pas sûr que Jean Rottner voit d'un très bon œil ce transfert massif de compétences. Pour l'instant, nous attendons de le rencontrer. Nous avons eu beaucoup d'échanges, que ce soit avec le président de la République, avec le Premier ministre, avec le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. Tout le monde se rend compte qu'il faut faire quelque chose en Alsace. Et je pense que Jean Rottner aussi devra bien prendre en compte cette demande des Alsaciennes et des Alsaciens. Les Alsaciens ont jusqu'à fin juin pour donner leur avis, date à laquelle le projet des élus sera communiqué au gouvernement.